Mon Dieu, une radio! Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Coucou. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety, and the safety of others, please refrain from... Por favor, por donde... Stand back. The portal will open in 3, 2, 1... Mes salutations à toutes et à tous les petits amis, c'est Psycho. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dégage, foutu radio. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Portal 1. Alors pourquoi Portal 1, Dara, alors que j'ai fait le 2, machin? J'ai fait le 2 parce que j'avais envie de faire le 2. Et je fais le 1 parce que j'ai envie de faire le 1. Ma foi, ça se défend, je pense, hein. Mais oui, pourquoi le 2? Enfin, pourquoi avoir fait le 2 et puis faire le 1, machin? Bah, j'en sais rien, j'en sais rien. J'avais le 2 sous la main, j'avais pas le 1. Que le 1 j'y avais joué de manière illégale quand j'étais plus jeune. Je ne l'avais pas de manière officielle et ça m'ennuyait de le faire. Enfin voilà, ça m'ennuyait de le faire alors que ben que je l'avais pas légalement. Du coup ben là. Please proceed into the chamber lock after completing each test. Tais-toi. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. Bon, voilà, ça recommence, ça recommence, on commence à me couper la parole, c'est génial, tout va bien, youpi, tralala les petits oiseaux. Donc, qu'est-ce que je disais? Eh bien, maintenant que j'ai eu la possibilité, j'ai acheté le 1 et je décide de vous le faire en vidéo, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et je sais que ça va être assez rapide, hein, si je dis pas de bêtises, il est assez court le jeu. Donc voilà, je vais vous le faire probablement de manière assez rapide. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. À tes souhaits. Donc j'ai laissé la version originale cette fois-ci. Hop là. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. J'ai laissé la version originale cette fois-ci, pourquoi? Bien parce que ben y a pas de secret, la version la voix comment dire, la voix de GLaDOS en anglais est largement meilleure que la voix française. Ça reste très sympa, attention, on est bien d'accord. Mais si je me trompe chaque fois d'une touche, mais il n'empêche que ben voilà. Which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Allez, voilà, laisse-moi passer. Si, très très bien, je passe. Ben, je vais prendre le... Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. Youpi. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Bon, do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should move. Voilà, ça c'est fait. Je vais baisser un petit peu le volume par contre de mon côté. J'espère que ça n'aura aucun impact sur le volume général. Je vais un peu tester un truc. Visiblement, ça n'a aucun impact sur le volume d'enregistrement, donc c'est très très bien. Boom. Et boum. To ensure the safe performance of all authorized activities, when not destroyed, remember to the aperture science when your daughter's birthday is the perfect time to have her tested. Je sais pas si vous avez entendu le bug, mais il y a les deux voix qui se sont superposées, c'était n'importe quoi. Ben voilà, ben pourquoi avoir refait celui-là, comme je vous l'ai dit, hein, j'avais l'occasion de l'acheter, du coup ben je l'ai pris, j'en ai profité.
Et puis voilà, il y en a certains d'entre vous qui m'avaient demandé de faire le 1, donc voilà, c'est l'occasion. Et j'ai envie de péter toutes les caméras, je sais pas pourquoi. Tombe, bah, c'est... Voilà. Ah, ça marche pas, ça l'active pas, tiens. Ça l'active pas, en fait. C'est dommage, c'est pas assez lourd. Yup. D'accord. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Bon, celui-là, je l'ai déjà fait, par contre. J'ai déjà fait, j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer, donc forcément, bah, c'est pas la même chose. Il y a pas le côté découverte, genre le oh, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai fait, donc peut-être qu'il va y avoir des. Et je me rends compte hein, que ces tests-là. Et ça parasite, c'est génial. Je reçois un appel, c'est normal. Donc je me rends compte que ces tests-là, en fait, je les ai faits dans le 2. Je m'en souviens maintenant. Je les ai faits dans le 2 et j'avais pas fait attention. Et c'est parce que dernièrement, j'ai testé un coup les challenges. Les challenges en time attack. Et donc voilà. Protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Bam. Good job. Je sais pas pourquoi As part je pète toutes of les a caméras. Required test protocol, we will start enhancing the truth in 3, 2, 1. Enfin bon voilà, je me rends compte donc que j'ai fait ces quelques tests là, enfin en tout cas les deux derniers que je viens de faire, je les ai faits durant le comment dire le time attack en fait, et voilà. J'avais juste envie de vous dire ça, ça sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Okay. The Aperture Science High Energy Pellet seen to the left of the chamber can... Unbelievable. You. Subject name, here. Must be the pride of. Subject hometown, here. Vous. Nom du sujet, ici. C'est ce genre de truc... Un peu comme on retrouve dans les formulaires à la con. Formulaires à remplir et tous les machins. Ou alors des démarches informatiques qui ne vous intéresseront absolument pas. Mais on va pas en parler, hein? Bon. Allez, on continue! Here we go. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Allez, allez. Là du coup c'est super facile en fait, c'est un peu frustrant parce que je me suis tapé des trucs comme pas possible dans le 2. Et ici ben du coup c'est facile. Allez. L'autre fois, j'ai vu un speedrunner finir Portal 1. C'était une abomination, c'était dégoûtant tellement il allait vite. Le truc, je ne comprenais même pas ce qu'il faisait, des fois il passait en dehors de la map et il allait chercher des trucs de fou, il allait tirer entre les portes et il arrivait à passer sur une map. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. J'ai pas bien réussi, je pense. Ah bah si. Ok. Ici, et puis. Et puis ici. Salut toi. Et non, t'es pas mal roulé, hein. Salut. Allez, petite plateforme. Vas-y, petite plateforme. Quand tu veux, hein. Quand tu veux, petite. Petit. Allez. Yep. Bonjour. Oh, quel beau loco, un bus, hein. Il y en a beaucoup qui ont dû marcher sur toi, pauvre petite plateforme. Alors quand je saute, je suis forcément la plateforme. Hein. Non, la plateforme avance pas toute seule. Non, pas de problème. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Donc très impressionnant, hein. Notez que
toute sensation du danger n'est là que pour amplifier l'expérience de test. Your testing experience. Bien évidemment, c'est du GLaDOS tout craché comme ça. Donc ce test est impossible, hein. On n'espérait même pas le résoudre. Alors, hop. Alors, bah si, je vais faire ça. C'est bien. The Enrichment Center. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. J'ai résolu le test dans une atmosphère d'extrême pessimisme. C'est bien. c'est cool. Et au moins ici on se tape pas des chargements de fou. Alors par contre j'ai essayé le truc qu'on m'a conseillé dans Portal 2, dans les vidéos de Portal 2. On m'a conseillé de checker mes disques durs. Notamment je pense à... Hello again. Merci. Donc, bon, je vais rester ici deux secondes. On m'a conseillé, je pense, notamment... Ceci ne sert à rien. Notamment à Olka qui m'a conseillé ça. Et enfin, Olka, c'est ton pseudo sur Twitch. Et c'est le pseudo que je retiens. Je suis désolé, je peux pas retenir tout. et je pense que c'est Antrivax, notamment, qui me l'a conseillé également. De faire attention aux disques et compagnie. Et donc, j'ai essayé de changer... Alors, toi, tu es là, ouais. J'ai essayé de changer Steam de disque. Et voilà. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Donc j'ai... Allez. Ah. J'ai changé le dossier Steam de disque. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Donc... J'arriverai jamais à causer, je crois. Hein. Si. Donc, j'ai changé mon dossier Steam de disque, enfin de partition, là. Pour l'instant, j'ai fait les petits tests et visiblement, ça semble aller plus vite. Maintenant, je ne sais pas si c'est juste parce que Portal 1 est plus vieux et donc les chargements se font beaucoup plus vite. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça fonctionne. Par contre, à mon avis, ça va être très très court. Et à mon souvenir... Je décale d'une touche, je ne sais pas pourquoi, au lieu de pousser sur Z, au lieu de me retrouver avec le majeur sur Z, je me retrouve avec le majeur sur E. Donc, là. Donc, comme je le disais, je pense que... Alors, ça fait quoi, ça? Ça fait ça, d'accord. Je pense que ça va être beaucoup plus court. Parce que, à mon souvenir, ben, Portal 1 est très très court. Donc voilà, hein? Bon. Alors, je vais passer ici. Hop. Ok, je passe ici, c'est bon. Hop. Voilà. Non! Nul! Remets le portail là! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez! Oh non! Oula! Allez, dépêche! Ah, la plateforme elle bouge déjà, hein! Non, elle bouge pas! Donc, Portal 1 est beaucoup plus court que Portal 2, donc à mon avis, cette série ira très très vite. The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject on now, Alors...
on va mettre le portail ici. Et donc je vais pouvoir passer par là. Et puis ben, je suppose que le niveau sera terminé. Et donc les tests sont beaucoup plus courts et tout et tout. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus compliqués, mais pas tous. Et pour preuve là, j'ai déjà fait une bonne partie des tests assez rapidement. On va voir ce que ça va donner quoi qu'il arrive. Et franchement, ça fait plaisir de ne pas devoir se taper des chargements de malade. Je sais qu'ici l'animation est comptée comme un chargement, machin. Et puis ici, il y a l'arrêt. Normalement, je crois qu'il y a un arrêt où il est marqué chargement. Même pas. Donc, ça fait quand même plaisir de ne pas devoir se taper un... Pas devoir se taper un... une image toute bête. Ça fait quand même plaisir. Alors. Paf. Paf. Ok, ensuite, paf. Et hop là. Ok, donc là il y a un cube. Ah. Ah, t'es un mignon, t'es gentil. Mon cul est gentil. Alors hop là. Boum. Ok, dans les cubes, hop. Y a moyen de le lancer comme ça. Hop. Non, y a pas moyen. C'était ridicule. Hop. Ça c'est bon. Et puis on descend. Youhou. Whoop. Et voilà. Ok. Ok. C'est cool. C'est cool. Bah on avance déjà. À mon avis, je le terminerai pas en une seule fois parce que bah, là j'ai pas énormément de temps devant moi, malheureusement. Mais ça fait pas longtemps qu'on joue en fait. Enfin que je joue, mais j'ai toujours tendance à parler en on. Ça fait pas longtemps que je joue et là déjà bah et les choses évoluent déjà pas mal du tout. Pas mal du tout du tout du tout. Alors ici. Ok. An intubation associate will be dispatched to revive you à bas les caméras. À bas les caméras, 11 sur 33, donc si je pète toutes les caméras, j'ai un... D'accord. Certain objects may be vital to your success. M'en fous. Do not disrupt testing apparatus. M'en fous. M'en fous. Alors, donc je peux aller chercher le cube ici, je ne peux pas. Il faut d'abord rediriger le laser ici, enfin, la boule ici, hop là, voilà. Ouf. Ok, alors ensuite deux, ici. Non, je suis bien là, hop là. Alors ici, il y a un bloc aussi. Le boulet. C'est pas grave, alors un rouge ici. Un peu. Alors, ok, donc le premier ici. Hop. Voilà, c'est très bien. Donc j'ai activé un et le deuxième bloc, il faut que j'aille le récupérer ici. Voilà. Alors hop. Ici. Et voilà. Hop hop. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Donc en gros, ils ne vont pas me mentir, hein. Donc quand les tests seront finis, vous serez Mist, donc vous nous manquerez. Voilà. 14. Alors, ici, qu'avons-nous? Subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Ok, alors ici il y a ça, non je peux faire ça. Je peux pas. Mais pourquoi ici je peux et là je peux pas?
de la merde. D'accord. D'accord. Alors, je n'ai pas envie de faire le chemin. Hop là, hop, et voilà. Alors ici, je peux aller récupérer ça. Je peux le récupérer comme ça, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Hop. Et voilà. Oui, je suis un fainéant. Oui. Mais c'est pas grave, les escaliers, c'est un truc de pourri. Non, les escaliers, c'est pour les idiots. Ici, nous, on a des escalators et tout. Et ben, comme on les a pas, et ben, on fait ça. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Merci. Alors. Ok. Vas-y, passe, petite bouboule. Voilà. Pouf. Voilà. Donc c'est le bleu que je dois... non, c'est l'orange. L'orange, je dis des bêtises. C'est l'orange que je dois taper ici. Very, very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Et logiquement, je sais, j'ai déjà vu un speedrunner faire un truc... faire un truc genre comme ça en fait. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Donc à partir de là, enfin bref, il pose un portail ici et puis il saute et hop, et il passe au-dessus en fait sans se taper tout le bordel du chemin. C'est quand même pas mal, c'est super impressionnant quand même. Mais les speedrunners sont des tarés en fait, c'est tout. Il y a des trucs franchement à se demander comment ils peuvent ne serait-ce qu'imaginer ce passage, tellement c'est un truc de fou. En fait, si ça se trouve, Portal, je voulais le finir en une seule vidéo. Genre une vidéo de 3 quarts d'heure. Allez, hop là.